Bonsoir tout le monde. So, je dis à nous une classe 5 qui sous données économiques. So, pour première classe, là, nous avons une seconde introduction sur maquette. Là. So, assurez-nous, avant de nous arriver dans la classe 5, nous avons regardé l'orientation, classe 1, classe 2, classe 3 et puis classe 4. So, orientation sur la classe pour le dérouler. Une question que je vais répondre tout c'est que un peu mon demandé qui moi je quand entre dans classe là quel que soit les nous prêt pour pratique nous quand entre dans classe là des monde qui gère besoin prend théorie à pratique là en même temps des monde qui gère besoin fin prendre théorie avant et puis prend pratique là après quel que soit les nous voulez venir dans groupe pratique là nous capable venir pas vraiment gon les seulement pour semaine ça là m'a metté tous les 5 classes pour première session yo. Après 2 semaines m'a metté 5 classes pour deuxième session. Second 2 semaines, on va dire 2 semaines distance. Vous allez dire dans 2 semaines ça, nous supposer faire pratique. Si on a fait pour et on supposer faire pratique pour conto et soit faire dans groupe là même tout nous pour supposer faire avant aller dans session 2. Non, après vont les m'a dit que mettez toute classe ça sur YouTube. So si on l'autre monde pas regarder, pas bien 2 semaines boit ça ou sur monde qui prendre 2 semaines ça peut-être pas pour le pratiquer avant aller dans session 2. Parce que plus ou bien capter en session, plus la aide pour l'autre, non tout. Ça, so, c'est vraiment important. So, classe 1, c'était son introduction de maquette, là, qui s'allier, les nous investir ou bien les nous trade, qui différent ça gain. Après, ça nous prend classe 2, qui c'est comment pour nous acheter et comment pour nous vendre. So, nous avons 3 qui sont analyse fondamentale. So, pour 3, il y a un bonus vidéo m'a fait sur Divided as my way. C'est un exemple dans PowerPoint là m'a pas fait so m'a fait un autre exemple dans bonus vidéo et m'a couvri partie fin vise là tout et puis kounya nous dans classe 5 so fin vise dans les mêmes sur swing trading qui important puis exemple mon stratégie ça vous censé utiliser so kounya pour classe 5 là m'a couvri données économiques so pas oublier dans première classe on t'ai parlé de catalyst news qui a affecté market là qui a fait monter ou bien descendre. So, news sa yo le plus souvent yo kon news ki en rapport avec compagnie, entreprise la. So, le gon bon news ou bien mauvais news sur compagnie, et ça c'est plus de news sa ou m'ta parlé. C'est pour merger qui se fusion, après ça nous gen partnership. News sa yo yon et news sa yo vraiment rapport avec compagnie. So, si compagnie a bien performé, de news de a positive. Si compagnie a pas bien performé, de you know, news de a négative. Now, parfois, il y a des types de news qui n'ont pas de rapport ensemble avec la compagnie, mais qui affectent quand même. So, c'est une news qui fait partie de la catégorie, ça, c'est données économiques pays. Après, so, données économiques pays, ils sont affectés tout stock net. Elle dit, même si Apple a un bon news, mais si on donne économique qui est négative, ils vont affecter tout market là net, pas seulement Apple. Et m'a parlé de tout marché honnête, m'a pas seulement parlé de stock market, m'a parlé de index yo, qui revient même ensemble avec future. Après ça, nous gain crypto, commodity market, nous gain bond market, forex market, données économiques ça doit affecter tout type de marché ça honnête. Et ça fait vraiment important pour nous capables comprendre yo et puis qu'on côté tout pour nous checker parce que gain en horaire côté là yo bay yo yo affecte market là c'est important pour nous gain connait you know making news qui pral gain parce que c'est pas toute news qui surprise qui ont surprise gain qui détend en côté qui dit que bon telle telle date telle donnée économique a venu so même en tant que on trader ou bien on investor ou supposé préparer pour type de news ça sous son investor news ça passe qu'on n'a pas trop affecté mais sous son trader news ça passe qu'on y a affecté en pile parce que mon short term so pendant short term non on supposé focus sur ça qui a passé pendant qu'on y a là. Donc, les données économiques sont bonnes ou bien les ou pas bon. So, données économiques, nous avons par exemple pour le chômage. Là. Nous avons, même si Apple a un bon news, là, pas vrai, mais si le si chômage a un résultat négatif, il y a un gros impact sur Apple. Qui ça fait ça? On compare avec Apple, un moment qui est plus un avantage, c'est le moment côté économique pays bon, parce que un peu mon travail. Parce que les produits sont vraiment chers. So, si pas quelqu'un qui travaille dans le pays, il va être difficile pour pas qu'on achète des produits. Hein. So, ça veut dire que les chômage là, sont des données qui affectent toute la market là net. Parce que c'est tout le business qui est dans la market là, c'est les gens qui travaillent qui plus un avantage. Parce que imaginez si on ne travaille pas, si on achète un téléphone de $1,600, à moins que tu travailles déjà ou qu'on s'y réparer ça,
mais gen an pil moun on pour exemple on paye tout en Haïti so gen un paquet de bagaille un paquet moun yo gen droit besoin mais à cause de pas travailler ka pa ka gen so ça les ça doit affecter business yo mais si tout moun t'a travail ça te ka faire business marcher plus bien c'est type de exemple ça yo so ça les dit moun yo investir toujours regarder taux chômage dans pour yo ouais you know est-ce que li bon si yo go paquet moun ki perd du travail tout pour le coronavirus là n'a pas commencer à faire la descente parce que depuis ou parler de un peu monde perd du job ou tout estimer que revenu compagnie va baisser ça son estimation li basé son paquet l'autre bagaille pendant coronavirus là en pile compagnie a perd du corps revenu était baissé but des compagnies demandent de augmenter parce que c'est coûter au service service pire toujours dans moment ça so tout ça aussi analyse pour faire faut qu'à évaluer maintenant qui état économique pays en est-ce qu'il est en bon état ou bien est-ce qu'il pas en bon état et mais qui impact ça a gagné sur marché ensemble avec stock source on s'est gagné en tout même so qui ça donne économique ça et pour qui ça nous utiliser so on peut dire donner économique ça aussi en macro scale li vraiment aider investisseur ou bien trader au juger de état market là dans qui santé pas market là dans qui santé économique pays en yé en Haïti nous ka dit taux chômage là pour en pile aussi en pile monde pas travail nous ka dit taux intérêt bon par contre ça lié pour Haïti taux intérêt tout c'est une donnée économique importante en pile pour tout marché yo. Après ça nous gagner importation exportation tout ça qui doit affecter market là so yo doit affecter économique pays hein so si affecter économique pays yo doit affecter market là lui-même et pas seulement un seul stock tout secteur net gain news qui plus en rapport ensemble avec un secteur tant que gain news qui plus en rapport ensemble avec secteur immobilier gain ça avec secteur financier et puis gain tout et ensemble avec secteur technologie hein mais gain des news yo affecte tout secteur net et yo affecte tout marché net. So c'est plus ça on a parlé là qui c'est données économiques ça c'est eux-mêmes qui c'est eux-mêmes vraiment pour appeler pour comprendre pour maintenant qui état économique au pays vraiment à l'aide de ça ça va investir ou bien trader une idée ça va affecter décision à faire est-ce que ça est bon moment pour m'acheter est-ce que ça est bon moment pour me vendre est-ce que ça est bon moment si m'te gagne déjà pour m'ajouter plus est-ce que ça est bon moment si m'te gagne déjà OK bon on couvre trois scénarios ça déjà parce que il y a mon cap short stock qui on va vouloir arriver dans level ça so of course donner ça yo yo permet nous mesurer donner état économique pays pas seulement pour kounya mais pour quelque temps cap venir toujours parce qu'on dit kounya là il doit appeler mon cap travail du moment que en pile donner ça au commencer négatif pour n'importe mon a perdu job ça veut dire que c'est immédiatement nous pas commencer ouais impact là gion paquet données économiques même si ouais kounya ou pas bon yo pas vraiment affecté économique pays mais dans futur là il va avoir un gros impact tant que dans moment coronavirus là gion paquet données qui était négative c'est kounya là à cause de l'inflation hein gion paquet mesures qui était prend à cause de l'inflation qui fait kounya là ou ça c'est ouais long term impact là right so c'est comme ça un paquet concept ça veut dire pendant que pays a une situation ou qui doit gouvernement qui doit faire un bagaille pour balancer toute bagaille mais ça le fait dans long term il doit avoir conséquences sauf que dans long term non encore pour mais qui ça le fait toujours pour balancer bagaille c'est comme ça économique pays ça c'est mais ça c'est vraiment soit travail pour faire économie pays marché gain pays moi pas travail pour faire économie pays marché so les balance fin gars dans main ou connaît aussi pas connaît you know comment peut récupérer un paquet bagaille. So statistique bien sûr est allié sur le cas affecté différents secteurs. So qui type de data nous gain données qui soit sorti dans market, GDP, prices, health, money, trade, government. So n'a privé sur ça quand même. All right. So il y a plusieurs types de données économiques mais nous pas couvrir tout n'a couvrir ça qui est important yo. Nous gain GDP qui vraiment important. So si nous dans groupe là faut nous déjà ouais traduction bail pour classe ça, il est important pile que des termes qui vraiment important pour nous connaître. Unemployment rate, ça c'est taux chômage. Après ça, nous gain job data, ça c'est lui-même qui boit quand c'est monde qui, you know, perd du job yo. Gain type de news tout qui baille quand c'est job qui augmenté pendant tel mois ou bien tel moment. Après ça, nous gain interest rate, nous gain intérêt inflation, nous gain taux intérêt, nous gain manufacturing PMI, service PMI, nous gain consumer confidence. On a privé sur ça. Après ça, nous gain données pour
partie commodité et tout. Oh, vous les filles, mais pas commodité, vous dites que c'est matière de base ou matière première, on va dire comme ça. So, gain news qui a affecté secteur retail non seulement. Magasin, store, you gain, c'est real estate, partie immobilière. Après ça, gain, c'est matière première, tout gaz, l'huile, importation, exportation. Tout ça, est important, pile en pile en pile pour nous-mêmes, en tant que trader ou bien investor, qui a vu dans la market, là, parce que nous, qui avons un jour, la market là, monter, nous, par contre, ça fait ça. Ce n'est pas une news qui sur Webull, mais sur tes costumes qui fait ça, mais c'est depuis investing.com, parce que c'est app n'a besoin pour aujourd'hui. Hein. Tout le monde te connaît, connaît, news ça prend le bail. Donc, grand pile news, pas oublier, c'est pas surprise, mais il faut nous faire analyse avant. Et ça fait moi, avec élève, moi, chaque samedi, nous faisons analyse. So, depuis le week-end, nous te connaît, mais qui news qui prend le gain pour semaine. Right? Et puis nous notons l'un côté, so, pendant nous en fait, là, pour nous pas surprise, ou pour nous tout préparer, nous. C'est une bonne position pour nous connaître qui ça pour nous faire ensemble avec. Alright, so nous avons job numbers qui chaque Thursdays and Friday, avec dit chaque jeudi ensemble avec vendredi. Après ça, nous avons CPI. So, vraiment, nous avons horaire c'est clair de toute façon. Après ça, nous avons CPI, Consumer Confidence, Unemployment Rate chaque première semaine, nan, chaque mois. Donc, nous avons la première semaine là. Est-ce que nous avons la première semaine? Yes. So, yeah, semaine sa première semaine mois de juin. OK? Après ça, OK, so nous allons investir comme talent, mais bon, je vais aller ensemble avec comment pour nous interpréter. So, comment pour nous lire données économiques ça? Comment pour nous interpréter? So, comment nous lire et interpréter? Nous comparer estimer là ensemble avec ça qui est actuel. Ça me dit pas estimer, c'est que consensus là, les bas en estimation de mais combien donner ça à pied? Par exemple, taux chômage là. Selon de quantité monde qui t'a dit que vous perdez travail ou que vous perdez travail, yo, à l'aide de ça et l'autre donnée statistique, consensus là, il doit estimer que taux chômage là à 3%. So, estimation ça, il est posté depuis avant l'heure pour le bail actuel. So, qu'on y a un jour pour le bail actuel là, ou même, ou supposé tant de résultats actuels pour comparer l'ensemble avec ça a été estimé. Et puis pour ouais, est-ce que le bon? Right? So, si le bon, il doit affecter le market positivement. Et si le pas bon, il doit affecter le market négativement. So, nous supposons aller sur investing.com. Ça, c'est app n'a pas utilisé pour classe ça. Après ça, nous allons aller dans le calendrier. Comme en anglais. So, au cas où. Là, nous, on paquet de pays. Mais à cause de ma trade dans le market États-Unis, hein, so, ma seulement mettez. États-Unis la donne parce que nous avons gagné plusieurs pays. Donc, so, m'a seulement utilisé États-Unis en bon une seconde. Yeah, sorry. So, nous avons un paquet de pays, mais seulement les États-Unis. Donc, so, on va retirer tout. Et puis, seulement cliquer sur États-Unis. Attendez, juste en bas, parce que je commence par U. OK, so, là, je vais sur Venezuela. No. All right, bon, je sais qu'il parle en l'air, parce que je ne sais pas. All right. Done. Attendez, je vais te dire bien en l'air, so, it's OK. Après ça, now, nous sommes aux États-Unis seulement. So, ça, c'est données économiques qui te gagnent pour aujourd'hui. Avant tout, assurez-nous que nous cliquons sur Economic Calendar en l'air. Et puis, depuis nous sur l'icône, nous sommes sur qui données économiques. So, pas oublier, semaine, ça, c'est première semaine, mois de juin. So, qui données nous te aujourd'hui, hein? Nous te taux chômage. Là. So, taux chômage, là, il était estimé à 3,5%, ça est consensus là. Et puis actuellement, je dis, hein, c'est 3,6%. So, on donne pour taux chômage, ça veut dire plus bas, plus bas, plus bon, plus bon. Les pourcentages là bas, ça veut dire que moins de monde qui peuvent travailler et puis qui n'ont pas libre force. Là. So, ça veut dire libre force dans lui-même, ça veut dire privé sous lui. Ça veut dire qu'il y a pile monde. So, le fait que les 3%, il n'est pas mal du tout. Pendant qu'on a vu ça, il y a n'importe 14%. Sont un pile monde qui est dans le labor force, mais ils n'ont pas de travail. Yeah. So, c'est ça, ça veut dire vraiment. So, on plus comprendre Nikonia.
So probably yem te di nou consensus lan gon estimate yo bay li. So te ketan bay estimate lan a 3.5%. So jodi an a 8h30 yo bay actuel lan ya 3.6%. So si le rouge et puis nou wè sa c'est que donné an pa bon. Et pas comme si li vraiment mal parce que nou elle était presque prêt ça a été estimé hein? Mais le fait que li rouge, right? Ça l'est dit donné an pa bon. Normalement gen donné pi ou pi ou pi bon pi bon mais gen donné tout pi bal pi bas pi bon pi bon so faut qu'a comprendre qui type de donné lié et est-ce que pi ou il même ka pi bon est-ce que pi bas il même ka pi bon so on donné tant que taux chômage ou déjà connaît pi bal pi bas c'est pi bon pour économique pays hein elle dit c'est plus monde qui travaille plus monde qui besoin travail qui travaille so on prend exemple pendant coronavirus là tout pays qui donne économique ça mais à cause nous parle trade dans market États-Unis il est important pour nous santé économique pays hein parce que nous allons investir nous allons trade là-dedans so, ça l'est dit parce que ça a affecté market là tout est-ce que ça c'est un bon moment pour nous investir ou un bon moment pour nous trade so le fait que économique pays a un petit you know problème inflation action a descendre pile monde juger ça c'est plus bon moment pour investir parce que pile action a bas prix. So tout moun supposé konnen menan ki sante ekonomik peyi a avon commencer investi ou bien trade la nan. So sa se period coronavirus nou ka wè 2020. Tout février, mars, avril, pat preske gen rien, mais à partir de mai, gade pou nou wè comment taux chômage nan monté 14.7%. Ale di an pil moun te pèdi travay yo et c'est ça que fait marché tap descend an pil. Gade gros 7% li te li rive en bas 10 pou jusqu'à septembre. Malgré ça te stil ou compare à jan te avant coronavirus la. So kounya la en 2022 an la nou el sensé retourner nan même moment la. Ale di an pi moun ki pa le travail, an pi moun ki te perdi job yo, yo dwa vin jwenn travail ou bien l'autre moun tout ki pote konn libre force an ki vin la dan tout kap travay. So ça le di li vraiment important pou nou ka li avec comprendre donné ça et tout. So, ça l'a dit pendant moment ça au marché t'a descendre puis là il dit plein monde t'a perdu job yo so en plein monde t'a perdu job yo qui t'a ça s'est affecté économique pays parce que depuis ouais investisseur en plein monde a perdu job yo il est maintenant tête que compagnie yo revenu yo pral descendre parce que mon si mon a travail il ca payer des dépenses mais si mon a vienne perdre travail il connait gère dépenses il pas faire encore nous comprenons so, ça l'a dit c'est comme ça investisseur censé interpréter nul ça. Allez dit plus mon a travail plus en plus mon a travail c'est plus yo a un problème investi dans compagnie ça parce que yo ta connaît la fait bon revenu mais plus mon qui pas travail ya connaît que c'est moins revenu compagnie ça pral censé gagner. So ça veut dire malgré gain action gain compagnie même si mon pas pral travail yo tellement besoin ya utiliser quand même tant que compagnie parti manger yo parce que même si mon pas travail faut still manger. So même au lieu pour mon ta acheter un téléphone, il va l'acheter manger comme la pito. So gen des situations économiques payant yé parti manger yo, yo toujours entre comme yo même. So mon a préféré $1,000 ça ou l'acheter un téléphone avec la quitter $1,000 ça pour manger pendant un bon coup de temps. Cause s'il pas manger la mouri, right? Même si c'est pas kounya mais après un bon coup de temps, so mon a investi dans santé pito. Après ça en aller ensemble avec un autre type de données qui ca important. So nous gen service PMI après ça nous gen les gouvernements parler mais ma privé là dedans quand même nous gen quelques données sur partie en matière première là nous pa wè nous gen natural gas qui c'est gaz après ça nous gen soybeans nous gen maïs blé so pour moun ki nan marché ça yo nous gen copper qui c'est cuivre nous gen argent nous gen aluminium nous gen pétrole nous gen l'or so pour moun ki nan marché ça yo type de données ça important pour ça les marchés matières premières en pile monde remet investir dans eux parce que les moments inflation c'est prix par eux vraiment qui monter qui fait toute l'autre bagaille vinn cher donc c'est prix gaz qui monter qui fait toute l'autre bagaille vinn cher parce que majorité ça fait nous utiliser matières premières ça so, depuis au monter kounya toute bagaille censé monter donc c'est yo vraiment en pile monde remet marché ça mais c'est pas tout moment vraiment et plus pour l'inflation yo bon so hier, ça c'est données économiques nous te gain. So nous te gain OPEC meeting, ça c'est quelques pays qui na OPEC qui te ça s'est réuni pour discuter. So pas oublier me dit nous chaque jeudi à 8h30, yo bay données sur quantité monde qui perdi job yo. Right? Ça quantité monde qui perdi job yo. So yo te estimé 210 000
et puis actuellement li même li 200 000. So nous ka wè le fait que actuellement pi ba den donné à bon parce que ça veut dire c'est moins moun qui perdit job yo que ça a été estimé. Ça a été estimé que 210 000 moun perdit job yo pour semaine là, tandis que c'est 200 000 moun seulement qui perdit job yo pour semaine là. So ça veut dire s'il était 300 000, il pas la bon cause plus moun perdit job là que ça a été pensé. Hein. So si nous bien suivre n'a pas que source qui report news ça yo c'est département pour les bains, hein, so, ça veut dire c'est vrai donner ça yo. On pas connait pour Haïti qui parti qui you know by donner ça yo so ma fin trop sûr. So tout ça honnête c'est données économiques bien sûr yo gain côté yo censé puis affecter l'autre côté que l'autre mais nous même qui en marque là il vraiment important pour n'a suivre pour n'a lire pour nommer qui secteur va affecter ça a été jodi. So pour l'autre semaine nous ca aller pour next week et puis n'a pas toutes données économiques qui gain pour l'autre semaine. So ensemble avec élève moi depuis dans weekend dans samedi toujours samedi à 9h30 nous toujours live et puis n'a regarder pour nous mais qui s'est pas passé dans l'autre semaine là. So ça de coup en préparation. Nous fait ni analyse fondamentale ni analyse technique. Après ça nous censé garder toute news qui va gagner yo, si va gagner earning, so nous censé préparer nous pour semaine là vraiment. All right. So lundi 6 juin, ça c'est ça nous gagner. 7 juin nous gagne données sur exportation ensemble avec importation. Gagne données qui gagne presque 3 étoiles, gagne 2 étoiles. So depuis gagne 2 étoiles, 3 étoiles, c'est important. So nous gagne données exportation ensemble avec importation. So on regarde pour nous qui ça consensus là et yo même ba nous ça avant tout. All right, so you pa bay, consensus pa vraiment bay focus. So ça avant 241.70 billion exportation. Après ça n'a pas actuellement là 7 juin. À qui l'est à 8h30 7 juin. OK, n'a bien donné exportation ensemble avec importation. So selon de quantité billion nous pour importation, nous ka dit que pays a importé plus que li exporté. Right? So ça si on remarque nous getan fait là, c'est données économiques ça vraiment qui parler. Après ça, so pour moun ki nan marché immobilier, yo gen on yo se second donné là qui important pour qui ka you know affecter marché pa yo, but est-ce que li vraiment va affecter market pa nou? Non, parce que li varie de secteur tout. Gain données qui affecte tout secteur net et puis gain qui seulement affecte secteur lié. Par exemple, nous gain données sur pétrole, mercredi 8 juin avec gasoline, l'huile toujours, après ça nous gain pour bond market. So li vraiment dépend de qui market ou y est vraiment pour nous la affecte. Chaque jeudi nous gain données sur quantité moun qui perdit job yo. Chaque jeudi. Gain données qui fait chaque semaine, gain c'est chaque mois. So li important pour qu'on ait you know pour nous suivre données. So nous gain CPI qui si on données sur inflation parce que lié des mesures inflation, so, on a bon données sur lui 10 juin deuxième semaine mois de juin, il y a toujours CPI là toujours deuxième semaine dans chaque mois. So CPI là on va parler de les talets qui s'allier, so, on a juste aller toujours. Après ça nous gain budget pour fédéral là, so après ça nous gain quelques données sur matières premières. So ça c'est investing.com. So nous ka gain plusieurs bagages là pour aller dans index nous cliquer sur market, mais pour aller dans news, I mean dans données économiques nous cliquer sur calendar. Après ça pour aujourd'hui après, mais si nous besoin pour une semaine, si nous besoin pour toute semaine net, nous cliquer dans semaine ça. So nous ka lundi était Memorial Day. Après ça, nous ka gon membre dans Fomec qui t'ai parlé. So nous gen données sur marché immobilier, nous te gen consumer confidence. Dans première semaine dans première semaine on te gen données consumer confidence, ma pour ça talent, mortgage toujours. Après ça nous gen Fomec, on membre dans comité a te parler, nous gen OPEC meeting, ça c'est 13 pays qui toujours a parler pour l'huile. So sur importation, exportation, sur prix en tout. Tout bagay sa yo, et après ça jeudi qui c'est hier nous dégain donné sur quantité monde qui perdit job.
après ça nous avons donné sur pétrole importation avec exportation ça nous était plein donné sur matières premières ça et puis unemployment rate nous gain government payroll so tout nous ça net 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 yo important pour market là nous ca en pile rouge ça veut dire en pile dans donné ça yo pas you know yo pas bon ça veut dire ça a été estimé en plus bon que actuel là ça veut dire pour nous lire c'est ça nous fait vraiment nous comparer estimé là qui déjà là ensemble avec actuel là now nous et pas tout qui est estimé mais plus fort bien so depuis dans 8h30 pour nous get à regarder pour nous qui ça actuel là et puis pour nous regarder pour nous est-ce que donné à bon ou bien pas bon s'il pas bon il doit affecter market là négativement et s'il bon tout il doit affecter market là positivement selon de news d'hier il capable affecter en quel secteur mon yo juste soit les neutre. So GDP, mon quoi en pile monde konn ki sa ki GDP en français c'est produit intérieur brut. On va regarder comme ça mon quoi. Mettez traduction sous groupe lan sona mon quoi n'a pour ki sa lié. GDP c'est market value de tout finished goods and services qui produit dans en année pendant un an. Second, il y a deux bagages là qui vraiment vraiment important. Dans en année et puis dans en pays. Ça l'est dit ça qui passe dans la Chine, ça qui passe, ça qui produit la Chine, ça qui produit en Inde, pas compter dans GDP pays. Hein. C'est ça qui produit dans pays dans hein, un an. So, finished good, c'est la règle qui s'en se pas bon encore. So, ça les dit toujours prendre exemple ça. 11 œufs pas qu'à compter dans un gâteau. Qui ça fait ça? Parce que sauf une fond gâteau là, ou pral vendre, de toute façon, on est retiré comme œufs. On a son compte gâteau en GDP et puis on recompte j'ai à mettre sous lit ou ça c'est compté j'ai à deux fois parce que même les m'a fait gâteau m'acheter œufs m'ai gain beurre m'ai gain sucre farine vanilla extract après ça m'ai gain so quelque chose ça m'a metté là-dedans mon connaît combien comme coûter mais so qu'on y a si en tout pour me faire d'acheter pour 10 dollars par exemple kun ya si mbal vann gato sa mbal vann ni pou 10 dollars non seulement fòm tire comme ingrédients yo et puis les beurre à tout moi même k'ap fè gato hein fòm paye tèt mwen si gen tax bagay sa yo fòm mete yo la dan so kun a mwen dwa vann gato sa a 20 dollars so sa le di si m vann gato sa a 20 dollars m ap konté gato an nan GDP hein mbal konté zè mbal konté beurre mbal konté même ti bagay sa encore parce que mwen utilize yo pou mete nan gato an right. So ça les dit yo même yo censé intermédiaire ça les dit ou pas raconter aux deux fois right so ça les dit tout notre gâteau hein toute la donne so ça c'est un bagage vraiment important même kaitou si vous fin font kaila et pour vendre kaila pour 300 000 année là la compter dans GDP so même genre pour une machine tout ça yo so tout bagage ça vraiment important pile. Il suppose market value, so ça important tout. GDP chaque année nous ka wè GDP vin pi wo. Chaque année GDP tout pays ou well, pas tout pays mais majorité pays ça c'est vin pi wo. So une théorie c'est que juste parce que GDP a pédé vin pi wo, ça pas veut dire que c'est produit pays a produit plus. Gen droit c'est parce que gen inflation, ça veut dire bagay yo vin vann pi chè. So un exemple que toujours prend c'est que on dit année ça là gagne 5 bagages qui produit et puis chaque dans 5 bagages ça yo on dit yo coûter 10 dollars so nous ka dit que GDP en censé 50 oups sorry on peut écrire par la page me dit pas 50 dollars now on dit dans l'autre pays ya kounya chaque bagage ça te vend 10 dollars yo vin sensé vendre yo double kounya yo vin vendre 20 dollars kounya on dit c'est toujours 5 bagay sa yo kounya GDP a vin 100 dollars même si c'est toujours 5 là parce que prix bagay yo monté kounya so c'est même bagay lan ka passe ensemble avec un paquet GDP un paquet pays juste parce que GDP a vin piwo pa vle di c'est produit en produit plus comparé avec année passée yo c'est tellement bagay yo vin piché parce que GDP an, c'est son produit c'est you know c'est tout son produit yo nan pays a pendant un an seulement un an seulement un an ça veut dire même si ou te vannon kay en 2021 li pa ka compter nan GDP 2022 li ka compter pour année ça déjà so ça important pile so ça veut dire
même si c'est 5 bagay là ou toujours produit, le fait que prix a monté, GDP a monté tout. OK? So ça vraiment important, c'est ça qui est le real GDP. Ça veut dire nous mettez inflation là dedans. So là pas mettre inflation là dedans, c'est lui même qui nominal là. Il y a des calculations à faire, nous pas utiliser nominal là parce que licencié est pas lui même qui pi bon parce que faut mettre inflation là dedans parce que inflation son réalité liée. OK, so ça fait gen deux types de GDP, nous gen nominal GDP, il pas adjust inflation, mais après ça nous gen real GDP qui c'est adjust inflation. Après ça nous gen formula real GDP per capita qui c'est real GDP divisé par population. Donc so, ça vraiment important pour nous connaître. So un point exemple, un pays qui gagne un point exemple un pays qui ça c'est gen 3 millions moun la dan. Et puis real GDP a censé on dit 2 billion. OK, so on dit nominal GDP a c'est 1.3 billion. Kounya si m di nou pour nous calculer ça c'est population. Hein? Si m di nou pour nous calculer real GDP per capita now, est-ce qu'on a calculé? Yes. So formula c'est real GDP divisé par population. So, n'a pas ni que fait 2 billion, hein, qui c'est real GDP, divisé par 3 millions. So, ça, c'est nominal, nous avons utilisé. Parce que, formula, nous utilisons GDP qui, ça, c'est adjust avec inflation. So, ça, les dit, si nous allons sous calculatrice, n'a pas fait 2 billion, divisé par 3 millions, et puis là, ben, nous, real GDP per capita. OK, 2 billion, divisé par 3 millions. Ça, c'est population. Hein? So, real GDP per capita, c'est $666.66. So, ça, c'est formula nous, ça, c'est jeune dans ça. Alright? So, vraiment, vraiment important. Ça, c'est une formula qui est vraiment important. Now, on a analysé pour nous, quelques GDP en paquet de pays. So, on regarde pour nous, GDP États-Unis pour 2021. Nous, pour qu'on fasse nous pour 2022 à net, parce que l'hypoco fini, nous en met là. So, ça l'a dit, c'est pendant 1 an, 12 mois. So, oui, kounya yon getan mette sa liye, mais yon retan pa ket mwa toujou. So, pour 2021, GDP États-Unis te 23 trillion. Ooh. So, yon dit que GDP increase 10.1% ou bien 2.10 trillion. So, wow. OK? So, ça c'est pour États-Unis. So, ça c'est GDP États-Unis à 23.00 trillion. So, ça veut dire si nous connons population, ça c'est real GDP by the way. Kounya si nous connons population, nous ka jwenn formula pour nous ka jwenn calculation pour real GDP per capita. La bonne fait c'est 23 trillion nan divisé par population. Après ça on a regardé pour nous pour la Chine. Mwen kwè si la Chine qui deuxième nan. So pas oublier GDP an, c'est tout finished goods and services qui produit dans l'année pendant un an. OK? So, et puis dans le pays en tout. So, ça veut dire vraiment important pour nous. Pas oublier ce service là-dedans, tout parce que tu as un peu de plein service là-bas, tout ça, you know, vous payez pour tout ça. So, China, GDP pour 2021, c'est 17.7 trillion. C'est pas là qui est deuxième. OK? Qui paye qui troisième encore? Ba quoi Canada non gele c'est Japon ou gele non France ou bien Inde non 5 point combien trillion ni so gon jam ka wè tout net bon mal essayé regarder liste là pour moi GDP 2021 pour monde là so bon moi c'est pas ban moi tout net OK so alright, so, ya, yeah, li ba mwen la, 2021, sou mam gade doni sa lak nan mi tan. So, États-Unis premier avec presque 23 trillion, China 17 trillion, oh ya, yeah, Japon 3e avec 5.1 trillion. Après ça, nou gen Allemagne qui gen 4.2 trillion, nou gen UK 3.1 trillion, après ça, nou gen Inde, nou gen France, Italie, Canada, presque tout gros pays net nan pran le ala, qui gen pi gros GDP. Après, après ça, nous prenons, nous mettons jusqu'à 50e, qui c'est New Zealand. So, on checke pour nous à Haïti, combien
GDP Haïti censé, moi quand dans billion quand même. GDP Haïti 21. Yeah, 8.30 billion. So, si nous comparer 23 trillion ensemble avec 8.30 billion, il va même bagaille du tout. So, ça veut dire Haïti pour qu'on même dans 10 billion même. Alors pour là dans 100 billion. Et pour là dans 1 trillion, non on parle de 23 trillion pour États-Unis avec la Chine qui 17 trillion. So nous loin. Nous loin en pile, même Nigeria gen m'a regardé Nigeria là, il avance en pile, ou pas même besoin moun di ou ça juste garder données économiques ça yo. 440 billion. Ou regarde Haïti qui 8 billion même petit pays africain ensemble avec nous là, ça même c'est 440 billion. Ça veut dire en pile pays a levé pied yo là. Nous beaucoup même dans 10 billion nous même. So tout ça c'est problème économique Haïti gagne. Sous garder GDP on gagne dans c'est problème numéro 1 mes amis. Right? Donc pas que petit pays en Afrique c'est comme ça GDP au bas, nous même nous ça c'est fait partie de bas GDP ça et tout. Nous meilleure façon on paquet quelque lot qui va bon même. Vous comprenez? Mais quand même nous lever pied nous dans sens. So all right, après ça nous gagne ça c'est couvri ça. Après ça nous gagne taux chômage là, m'te dit qui vraiment important. So taux chômage a mesuré pourcentage moun qui pas travail qui dans labor force là. So ça vraiment important parce que pas oublier m'te dit nous en pile investor même gouvernement toujours a garder données économiques ça. En pile décision gouvernement prend sur économique pays li en rapport ensemble avec résultat données économiques ça. So nous même statistiques ça important pour nous en pile pour nous prendre décision tout les pour nous acheter, les pour nous trader, les pour investir et dans quel secteur tout pour aller. So ça est partie fondamentale qui s'est dans trading dans l'important pile. So pendant journée oui on trade mais faut qu'on ait que gon donné économique qui capable venir qui ca affecter position là. So dès pour connait qui ça yoyé ou ca lié ou qui ta connait qui côté pour aller garder résultat ou ca préparer. L'on fait analyse depuis dans weekend là ou ca préparer. Ça arrive en plus moun vle vinn jwenn mais son bagay sérieux qui là ou supposé faire analyse ou supposé faire recherche sous besoin faire profit ou sur gros paquet effort ou obligé faire right former ou c'est premier bagay ou fait tant qu'on a suivi formation là après ça nous fait pratique so avant nous même commencer tout ensemble avec vrai comme faut nous paper trade ça fait focus sur partie pratique là pile ensemble avec élèves moi me fait au paper trade là beaucoup à bon compte démo côté que on pratiquer ça est pas comme pas. So on a pratiqué pour jusqu'à ce qu'on vienne beau confidence pour faire analyse ou vienne beau revenu ou vienne développer stratégie ou bien aide ou et pour ca manage risk ça c'est moment où commencer tuer ensemble avec bon l'argent et puis ou aller sur une stratégie tout qui marche pour parce que juste parce que on mon a fait stratégie pas les dire pas le faire tout même faut focus sur ça qui ca marcher pour ou développer ça pendant on paper trade là. Gen moun se day trade ki pi gros strategy ou gen. Gen moun ki se swing trade, gen moun se long term, gen moun se dividend, gen moun yo pi bon nan fundamental analysis, gen moun ki pi bon nan technical analysis, fò konnen nan ki so pi bon pou ka focus la dan. E menm jan tout lo a l'ekòl wala pran nou meti. Sou bon nan mat an pil, ou gen wap plus pran meti ki rapport a mat. Sou bon nan science an pil, ou ka pran on meti ki rapport a science. Par exemple moi même depuis les petits moi même maths pourcentage finance ba ça ba fait science docteur ça ba jam te la dan so la te ka vraiment difficile pour moi pas impossible mais le te ka vraiment difficile so c'est même je tout pendant dans maquette là bon stratégie ou gagne et lui même qui pi ou pi à l'aise avec so obligé focus sur lui et il y a plusieurs types de marché tout faut qu'on est dans qui marché ou gagne plus confiance est-ce que c'est crypto. Ça qui arrive ou remet Bitcoin ou vle trade li men ou pa ka comprendre ni ou pa ka faire comme là dedans ou pa ka et tandis que ou on pa ka mon a fait comme dans son market là c'est ça ou bien tout dans le stock market là ou pa ka mon a fait comme dans crypto ça veut dire ou pa le suivre ça mon a faire ou même ou pratiquer pour mais qui ça qui bon pour que faut gagner patience tout là fait commencer ou pa va gagner un million faut gagner patience tout bagaille ça aussi over time option c'est gain yo 1 million pas facile pour faire dans market dans genre paquet côté sur réseaux sociaux ab di nou. Ça veut dire pour commencer arriver dans level ça on commencer bas après ça on monter ensemble avec patience on monter ça nan ki travay on moun aller pour un millionnaire comme ça c'est bagay artiste bagay l'autre bagay moun ni ka faire million facile comme ça même docteur pa pas ce qui fait million facile
So même moun sa yo kounya Elon Musk sa ki gen tout l'argent sa, e pa ni pare depuis te riche. Non, li prend temps. Il prend temps. So en pire moun juste besoin riche kounya la, mais li prend temps. Right? So depou vini pou trade ou prend ti profit et puis tout sa yo y a augmenté. Plus ou vini gen kounya et plus ko wap sensé ka fè. All right? So now on focus sur to chômage là et li même ki unemployment rate là. So li vraiment important, m'te déjà dit non pour ki ça. So labor force c'est moun k'ap travay ensemble avec moun k'ap chèche travay. So moun k'ap travay c'est moun, you know, moun sa ap travay yo déjà travay pou chèche travay. Après ça nous gon l'autre partie moun ki fait partie de labor force là mais k'ap chèche travay. So labor force li même li censé composé de moun k'ap chèche travay mais faut nous retirer un paquet type de moun. Ça le dit un par exemple un petit bébé. Est-ce qu'on ti bébé ka travay? Non, on ti bébé pa fè partie de labor force. Kale di pou moun nan ale nan formula sa, pou moun nan fè partie de labor force. Men li pa travay. Apre sa tou, nou se gen yon moun ki handicapé. Gen moun ki handicapé men ki ka travay. So sa ka rive moun nan fè partie, men pa tout moun ki handicapé ki ka travay. Gen handicap ki pa anpèche ou travay vraiment. Men gen handicap ou pa ka travay ansanm avèk yo. So moun sa yo yo pa fè partie de labor force. Après ça tout nous gen grand monde qui touche pension yo déjà. Moun sa yo pa fait partie de labor force. Ta moun ki retire de touche pension yo pa fait partie de labor force. On ti moun tout, on ti moun ki nan high school tout, 12 ans 13 ans. So moun nan poko fin l'école. Right? So ça li on ti gen différent parce que you know, gen moun ki fin l'école déjà k'ap chèche travay. Moun sa yo ap travay et puis yo ki non seulement il y a travail tout puis il y a l'école encore pour aller apprendre l'autre métier. Ça veut dire c'est monde qui finit l'école, monde qui gradué yo et so gain en pile gens yo censé ajouter donner ça. Ça veut dire mais si monde n'a pas fini l'école même il pas jamais entrer dans mon industrie travail là même il pas fait partie de labor force. Ça c'est élève. Après ça nous gagner grand monde dit grand monde déjà so tout moun sa yo pa fè partie de labor force. Ça le dit labor force c'est moun ki you know ap travay et puis moun ki pa chèche travay. Mais moun k'ap chèche travay. Mais moun k'ap chèche travay la tout yo supposé fè partie de labor force. Ça le dit yo pa yo supposé pa gen critère sa yo m sensé société an la. So, ki sa to chômage la? To chômage la c'est lò fè et lò pran quantité moun ki pa travay mais k'ap chèche travay divisé par labor force la. Et vous multipliez le par 100. So li pa jam zéro parce qu'il y a toujours gen moun k'ap travay, pa vrai? So a mi n'ap toujours gen moun ki pa gen travay. So to chômage lan pa jam zéro. So comment nous ka fè formula ça? On dit que nan ekonomi on dit que gagnen 10 million moun ki pa travay. So 10 million moun ki pa travay, on dit seulement 8 million ap chèche travay. Je vais mettre 100 millions plutôt. OK? Et puis, 100 millions de monde ap chèche travail. Non, 100 millions de monde pas travail. Et puis, 8 millions de monde pas chèche travail. So, 8 millions de monde, ça n'a pas fait partie de labor force. Non? Bah, 8 millions, ça yo get ti moun la dan, get moun ki touche pension, get handicap, you know, get type de moun sa yo. Non, 100 millions de monde, ça yo qui pas travail là nous gagne 8 millions qui pas chercher travail. Après ça nous gagne n'importe 300 millions monde qui travail. Qui ça taux chômage là? So, pas oublier formule pour taux chômage là, c'est là nous prend unemployed divisé par labor force. So, bon bagage qui vraiment important. Qui ça labor force là? So, pour nous connaître qui ça labor force là, pas oublier dans 100 millions moun sa yo qui pas travail, il y a 8 millions qui pas chercher travail. I mean, yeah, so 92 millions pas travail mais y a chercher travail. So c'est eux même vraiment qui fait partie de labor force là. Après ça tout nous gagne 300 millions moun qui travail qui fait partie de labor force là tout. So labor force là vient censé 392 millions. OK?
Ça après ça n'a divisé quantité qui pas travail hein, par même pourcentage par 92 millions. Ce qu'on a pour jeune taux chômage, on a fait c'est 92 millions divisé par 392 millions. Yep. So living ba nous 0 après ça multiplier par 100, living ba nous 23.47%. So taux chômage nous dans cas ça t'a 23.47%. Ça veut dire 392 millions monde qui fait partie de labor force, 92 millions là dedans pas travail. So toa c'est 24.47%. So si nous regardons pour États-Unis, c'est donné ça nous fait quoi là qui passe qui vient aujourd'hui hein. So donné seulement 3.6%. Ça veut dire beaucoup monde qui dans labor force sans travail. C'est ça au dit nous là parce que regardez ça nous fait là 24 combien par États-Unis 3.6%. Donc ça veut dire nous ca ouais que même si li font li pas exactement ça était vrai et 3.5% était estimé mais li bon quand même. Ça veut dire majorité monde qui veut je travaille sans ça travail là li seulement 3.6% comparé à j'ai été n'importe 14% en 2020 les coronavirus là. So gen un paquet pays ton chômage là haut en pile monde pas travail. Et là web ça gon gros problème dans économique pays hein, parce que devant pile monde pas travail ça ka fait pile business pas ka bien marché et gen l'autre bagarre tout ça ka affecté parce que moun gen paquet de mode moun yo ka gen moun yo pas ka bagarre yo vraiment c'est ça son problème li. Après ça nous gen initial jobless claim nan ça c'est quand c'est moun qui fall for an unemployment ça veut dire moun sa yo perd travail yo so c'est lui même nous jeune presque chaque jeudi hein so ça important pile. So, taux intérêt, hein, c'est lui-même qui interest rate. FOMEC, ça, c'est un groupe comité. I don't know si c'est 9 ou 13, on va dire comme ça. C'est eux-mêmes qui votent sur taux intérêt. Ça. Après ça, nous avons tiens maintenant, tout ma professeur italien. So, traders, yon, ma investor, yon, toujours à garder taux intérêt ça de près. Parce que li affecte tout marché net. Spécialement marché Forex, non, parce que si nous bien suivons bagay, si m'aller dans market après ça m'aller dans currency so nous ça c'est parti euro ensemble avec USD so les États-Unis monter taux intérêt hein? OK qui c'est buy dollar valet ça son problème licencié pour currency ça parce que les dollars prend valet et comme s'il prend valet à en face euro hein? So ça veut dire deux currency pair ça yo tout acheter et comme si ou dit que euro en pral prend valeur devant dollar américain. So qu'on y a si que dollar américain prend valeur devant euro, ça c'est affecter position. Et ça va passer même ensemble avec currency ça. Quel que soit monde qui t'achète euro dash USD pendant un an ou ça s'est fait peur parce que regardez qui ça passer. Descend n'a descend parce que pendant un an dollar prend valeur. Comment on fait comme ça si nous checker dollar index là, nous car pendant un an lui-même c'est monté là monté. De presque 48 combien à 105. So pendant dollar index la monte, n'importe quel que soit currency cap trade against dollar, yo même yo prend descend pour yo pendant un an. Ça c'est pas on ensemble avec USD en tout. Mais si on regarde currency côté que dollar te gen plus valeur, yo li monte pendant un an presque. So ça va dépendre de est-ce que pays ça t'a monté intérêt pas là. Canada qui t'a monté pas là tout dans même moment, nous ka wè li presque flat. Ça donc ça dit pas vraiment un up ou bien un downtrend. So ça vraiment important si on moun a trade dans marché forex là, ni crypto tout, faut qu'a comprendre qui impact ton intérêt à ce gain ensemble avec position là. So si n'a regardé pour Bitcoin tout depuis un an, il est dans 68000 combien, là il est dans 29000 combien pendant que dollar prend valeur against lui, ça va le petit problème tout. Right? Parce que sous acheter, c'est comme si on dit que Bitcoin a pris plus valeur devant dollar. Parce que ou censé changer dollar pour Bitcoin. Ça veut dire c'est Bitcoin ou venir qu'on a le changer. So, ça veut dire of course ça a un rapport ensemble avec tout ça. Mais si currency en tout lui-même peut-être pas la prend valeur, il doit pas vraiment un gros impact même si dollar prend valeur lui-même. So depuis mon ou dans marché currency dans marché comment dit mon ça monétaire pas monétaire non pas songer ou supposer prêter attention ensemble avec taux intérêt ça. Ton intérêt ça lui-même qui ça qu'a fait le changer monter ou bien descendre c'est vraiment données économiques ça yo. Gouvernement si ça y a suivi comité si ça y a suivi vraiment pour ouais mais qui décision yo ka prend so il y a regardé données sur inflation
CPI, PPI, c'est ça yo qui signale inflation et puis yo gade pou yo wè est-ce que yo ka monte ou descend intérêt. So yon nan bagay ki fè yo sensé monte intérêt c'est pour yo bay de la valeur. Ki sa fè bay de la valeur important? Lè gen inflation, pou tout bagay monte, pa vrai? So sa le di sa se c'est affecté pouvoir d'achat. Que sou gen 10 dollars kounya la. Ou ka nan market la avè lò acheter 5 bagay. Pour n'y aller pour toute bagay monter 10 dollars sont pas acheter 5 bagay encore ou à peine acheter 3 bagay. So, ça les dit pouvoir d'achat ça c'est diminuer les gains inflation. Ce qu'on est là aussi c'est monter valeur dollar là il vient en balance il vient en avantage pour. Ça c'est une mesure yo qu'on prend les gains inflation tout yo monter taux intérêt. Et c'est même gens tout les que gains inflation comme ça yo qu'on font plus gros bagay toujours pour balancer taux intérêt. Yo kon monte minimum wage. Ça veut dire si on monte kon touche 15 dollars par heure, kon yo mette 18 dollars par heure. Juste pour augmenter pouvoir d'achat pour ka gon balance. Ça c'est toute mesure pour yo prendre en économie, ça c'est dans économie pays en vraiment pour ka combattre inflation. Ça c'est une bagarre toujours fait. Et les traders ou investisseurs ouais que gouvernement prend mesure pour combattre quelle que soit situation économique pays a gen, yo gen confidence dans market là, c'est les ça yo acheter. De même pour moment corona. Comment corona a pu monter perdre job qui ça gouvernement fait les bail stimulus c'est aider population vraiment sur les marchés là tu vois ça tu les rend pile confiance même marché dans tout qui t'a descendre pile gouvernement mettait trillion pour bail marché la liquidité pour faire marché la monter sur ça sur confiance tout dit te créer parce qu'en pile l'argent pension la donne right sur tout ça important pile en pile en pile en pile sur ça c'est changement intérêt sur ni sorti à 0.25 qu'on a pour les 1% ou quoi ça allait dire ça c'est monté là sur elle monté un paquet paralysé c'est impact so on a prouvé sur ça au talent dans la classe CPI là c'est une donnée qui mesure inflation so ça allait dire gouvernement en va prendre une décision sur ton intérêt de toujours checker CPI ensemble avec PPI avec taux inflation en tout. Trois données ça est vraiment vraiment important. Il y a l'autre encore PCI on a couvert deux ça seulement. So CPI là lui-même il veut dire consumer price index. So ça fait lié important, il mesure changement dans prix goods and services nous-mêmes consommateurs nous sommes censés payer pour ça nos besoins. Consommateurs c'est nous-mêmes qui acheter. Right, so gen producer et puis gen consumer. So nous même qui a pas acheté, nous qui va acheter dans market, n'a pas acheté tout bas et ça yo, ça veut dire pas nous même qui a produit, nous c'est consumer. So ça veut dire sous qu'on achète mare pour 5 dollars, pour nous sous tout à 7 dollars. So prix pour acheter là ou même li monter. Qui ça fait prix pour acheter là ou même monter? Nous on ça fait monter parce que producer qui a fait là, il monte prix par là tout. Mais c'est pas lui même qui vraiment monter prix, non? Ça qu'on utilise pour le faire ça la faire prix ça a monté c'est au même et ça qui PPI là lui même c'est producer price index so producer c'est mon qui produit bagarre pour le vendre so soit qu'on acheté 5 dollars lui même il était qu'on doit payer 3 dollars pour le faire et ça fait le vendre 5 dollars qu'on est si c'est 5 dollars il besoin pour le faire il va vendre 5 dollars encore qu'on est venu vendre 7 dollars par exemple. So li bagay lan getan monte depuis sou li même. Ça les dit kounya c'est piche li paye pour le faire. C'est plus comme li besoin pour le faire ça la faire et au même li charge. So avantage vraiment c'est pour consommer et pour nous désavantage là. So avant pour producer li va vraiment affecter. Si bagay la monte pour li la va monter pour pola tout. C'est même gens ensemble avec classement là. Tant que classement sorti les cob la té 43 goud. Classement sorti de 2500 goud, les toi n'importe 115 goud, les vins, ça c'est 5000 goud. Ça veut dire, pendant que taux de la paix est monté, moi-même, il va vraiment affecter, mais plus vin affecter consommateur, c'est nous-mêmes qui vins, ça c'est payer plus qu'on y a, nous vins, ça c'est plus goud. Mais c'est parce que nous va gagner dollars, parce que si nous gagnons dollars, et même pas la taxe, ça c'est coûté, nous, si nous bien garder. Right? Ça veut dire, vraiment vrai, c'est pas producteur, il va être tout problème, donc c'est plus consommateur. Allez dire dans économique pays hein consommer important pile c'est eux même qui peuvent travailler pour les monter sur pour qu'à toujours capable acheter so ça fait lowe les types d'inflation c'est bagarre d'une pitch est important pour gouvernement monter minimum wage et ensemble avec buy job tout so ça c'est une bagarre qui est important pile so qui ça produit ça a besoin lui même il besoin bagarre matière première yo
gaz, nous avons dit comment le gaz monte en pile kounya. Et bien, ça fait tout bagaille, monte en pile bagaille ou utilise, n'a pas utilisé, you know, c'est ou utilise gaz quand même, l'huile, même balancement avec pétrole, tout bagaille sa yo, l'or, argent, blé, maïs, tout bagaille sa yo net monte. Nous avons ça dans le marché, matière première. Donc, so, depuis prix tout bagaille sa yo monte, pour douceur à lui-même qui a fait yo, lui-même se coûte le plus comme pour le faire ça la faire. C'est ça que fait. Nous même consommateurs nous vinn payer plus comme so comment pour nous web que prix ça va monter non seulement nous ka checker marché commodité mais nous ka checker données ça tout PPI Island si nous checker données ça on a pas comment la monter depuis PPI Island monter CPI Island a censé monter tout right so deux données ça est censé marcher ensemble so good and services ça yo sorti de producteur acheter and then revend so bagay ça vraiment 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 important. Because c'est trois steps vraiment qui gagnent dans production. So avant nous gagner input qui c'est ingrédient ou bien qui c'est matière première, toute bagaille producteur a besoin pour faire ça la faire. Après ça deuxièmement nous gagnons labor. Ça c'est travail à faire ensemble avec toute bagaille yo et puis dernièrement nous gagnons output, ça c'est ça qui sorti de travail yo sorti faire ensemble avec bagaille. Et comme si m'a fait un gâteau là, so me suppose gagner tout ingrédient yo. Après ça m'a fait process pour me faire gâteau après ça m'gagne gâteau so matière première ça yo depuis prix au monter ça qui vient arriver prix au monter connait au vin piché and pas oublier tout parfois labor ca vin piché tout moun ça yo cap faire gâteau ça pour si minimum mo jan monter connait faut payer plus so ça veut dire ça tout son problème ça est là tout so connait là moun nan même qui va l'acheter va vin acheter le piché toujours. All right, so ça c'est pour PPI, so nous gain et parce que ça me fait que ça dit là. So qui ça qui vraiment good and services, nous gain manger, nous gain bagaille boisson, kay qu'on vient chez en pile tout, appareil rad by ça yo assurance, medical care, transportation, éducation, communication, tout ça yo c'est vraiment good and services nous besoin pour nous vivre et l'air monter sous nous pas le choix que juste payer en prix pio. So après ça nous gagne consumer confidence ou bien consumer spending. So ça est important mais you know le fait que son on survie au prend ensemble avec 5000 kay seulement il va trop bagaille so yo juste ba on survie côté que il y a c'est à tester confidence moun yo dans market là pas pour market là non pour économique pays. So ça veut dire you know il est important quand même parce que 5000 moun sa yo dans coronavirus on tout est perdu confidence. Et le fait que 5 minutes ont été perdus ou que tout le monde a perdu tout. So, pas comme si c'est un bagage qui est réel. Il y a bien suivi l'index réel vraiment. J'en vois sans tout l'an et qu'on s'en peut donner à son CIE. Right? So, l'essence est mesurer confiance mounio pour l'économie pays. Le coronavirus, tout le monde a perdu confiance ou est donné à pas de bon même. Mais quand il y a là, mounio commence à prendre confiance. Right? Dans 2021 surtout. Ou est donné en devin bon mais kounya cause inflation ou est comment donner un petit jangon on tient pas là-dedans. Ah vrai? So les que consommateur en pile confidence je censé dépenser plus. Yo va dans serré pour si on bagaille pas assez. So tout ça yo suivre yo important pile gouvernement garder ça yo. Business yo garder ça yo. Investisseur garder donner ça yo pour ouais. Est-ce que ça est bon moment pour acheter ou bien ça est bon moment pour vendre? Nous gen FOMEC. FOMEC c'est comité fédéral market là. Nous connaissons tout connait qui ça qui comment banque centrale, banque réserve bay ça yo, pas tout pays gen bagaille ça yo. So mob ça yo toujours qu'on a parlé. Lè a parlé yo affecté market en pile, surtout les se chairman là, Jerome Powell qui a parlé cause li même li affecté market en pire. Quel li me dit les types pour le faire dans market là monter ou bien la descendre en pile. So il y a affecté l'en pile. Début pour aller parler ou pas capable attendre. Ou pas capable mettre stop loss ou pas capable attendre pour acheter. Obligé garder la parler parce que il toujours affecté market là, bal gros volume. OK, so ça c'est non Jerome Powell, il c'est chairman Federal Reserve là, c'est banque centrale là. Puis gros décision c'est eux même qui fait. Non pour économique payant pour market là, pour partie banque tout bagaille ça honnête. Tout gros décision c'est eux même qui fait. So les a parlé, les a prend décision, you know, il est important pour market là pile. So chaque les il y a gain pour parler, il a fait nous connaître sur investing.com. Après ça nous gain données pour commodité, nous gain pour gaz, huile, pétrole, OPEC, tout ça important pile. Maintenant bon classe pour matière première ça, on va focus sur ça plus, les n'a parlé de lit.
OK? So, yeah, ça c'est fin pour classe là. So, si nous checker on employment rate pour quelques pays qui c'est taux chômage censé. OK, so comme Nigeria était là, il y a 35%. Ouh! Wow! En pile monde qui dans labor force là pas travail. So, puis faut pays noir ça et comme ça le censé. Pas États-Unis 3.5%. So, si nous regarder Haïti, Haïti me croit gagner donné ça qui pas fin correct net. Mais 15.5% majorité on peut pas travailler pour taux chômage 15%. Puis n'a donné ça ou pas même bon. So si m'a prend pour France, pas forcément moi le pire que ça me dépenser 8%. Yeah, si n'a les la Chine, mais gros rapport avec population pays en tout. Oui. So plus monde qui dans population pays en tout, c'est plus monde qui gagne droit, il a gain chance pas travailler. La Chine a pile moun, et malgré ça, taux d'intérêt 3.96%, li bon a pile, d'ailleurs, ils sont pays qui plein travail, li. Malgré plein moun nan labor force, nan, y a pile moun kap travail, wow. So, taux chômage nan pas en pile du tout. Ok, c'est ça yo vraiment nous besoin ouais, nan économie kon pays, pou nou aimer qui côté économie pays a kan pays. So, en pile haïtien et malgré Canada, bon, mon ba en mouen. So, li a le à 7.43%, so, le sens c'est double par États-Unis. Hein. Pas mal, mais Haïti a 15% ça, bah, nous quoi net. So, on allait pour Brésil, par exemple. 11.11%. Pas mal du tout. OK, so, après classe ça, nous trouvons l'important pour gagner des données économiques. Nous supposons pour aller checker sur Google, bien sûr, investing.com pour nous voir qui ça y est, pour n'importe pays. Il faut nous faire analyse fondamentale sur économique pays. Yo. Donner ça yo ça veut dire plein de choses qui est important oui mais gain donné qui plus important que l'autre qui affecte market là plus que l'autre so même gens tout nous devons regarder donné passé sur investing.com so si nous aller sur calendrier hein sur search si nous besoin donner sur PPI là par exemple ou bien sur GDP par exemple nous capable nous on écrit GDP hein, et puis licence banul so ça you know il y a plusieurs types de si c'est ça nous besoin et plusieurs gens nous devoir apprendre tout après ça si nous besoin qu'on est pour ça inflation ou bien si nous besoin qu'on est les gouvernements parler les abay décision sur taux intérêt hein nous ca cliquer sur Fed interest rate yeah so il y a 1% qu'on y a so était estimé 1% actuellement 1% so ça c'est Federal Reserve qui baille so tout ça est important pile dans market là. So, you know, si nous dans groupe on a continuer pratiquer sur investing.com pour nous comprendre les données différents types de données économiques et puis chaque les abier weekend analysis les dimanche tout et pour ce groupe là m'a toujours voué lien zoom dans pour ensemble avec ses élèves moi. So, ça c'est dernière classe pour session 1. Elle dit m'ai t'en fait 5 classes pour session 1 là. So après c'est gain 2 semaines break avant by deuxième session. So pour monde qui dans groupe n'a fait pratique. So semaine qui venir là, nous supposé on va faire pratique avec nous et puis pour nous faire tout devoir et puis paper check sous compte démo après ça pour nous prendre examen. L'aime fin by résultat nous présenter tout. So après présentation qu'on a, nous va le faire c'est mettre session 2 sur YouTube. Après ça tout n'a fait ça c'est même process là. OK? So, all right, si nous avons des questions, nous allons faire un peu de temps. Sinon, je vais déconnecter. Bye bye tout le monde.